De quoi, monsieur Bat? Qu'est-ce qu'une reine qu'on bouffe dans un petit village un peu perdu? Je m'occupe d'un troupeau de brebis. Comme dans les contes de fées. La reine déguisée en bergère avec un petit agneau sous le bras. Sauf que moi, je les prépare pour l'abattoir, les agneaux. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans ce village perdu? J'adore la campagne. Quand j'étais petit, je voulais jamais venir chez mon cousin, mais là, j'en pouvais plus. En fait, vous êtes en train de boire du champagne avec la caricature du pauvre type. Celui qui croit que les agneaux naissent directement sous cellophane, en forme de côtelette. Qui joue au golf ou à la guerre sur sa console, qui finit par s'envoyer en l'air par écran interposé. Avec une fille à moitié à poil qui se... devant sa webcam. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas internet. Hein? Ça veut dire moi, mon mari, mes enfants, comme tout le monde. Sauf moi. Oh non. Moi non plus, j'ai rien. Alors on est deux? Non, on n'est pas deux. Il y a votre magnifique montre entre nous. Peut-être bien quelqu'un qui vous attend. Non. Parce que je dois sortir les brebis tôt demain. Je vous propose un marché. Restez encore un peu avec moi et demain, je viens vous aider à les sortir. Mettons 8 heures. Je serais partie depuis longtemps. 7 heures. 6. C'est ça. Entendu. En attendant, je garde votre montre. Comme ça, vous oubliez un peu l'heure. Et moi, demain, je serai pas en retard. Je la reprends dans une demi-heure. Faut vraiment que je sois rentré pour 8 heures. Merci, conclu.